Petite vidéo sur les liaisons intermoléculaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bécher dans lequel il y a de l'eau et de l'huile. D'accord? Donc là, il y a l'huile, parce qu'elle est au-dessus, et il y a de l'eau. Et la question, c'est, mais pourquoi l'eau et l'huile ne se mélangent pas? Pourquoi l'eau et l'huile ne sont pas miscibles? Et souvent, on dit, c'est parce qu'entre les molécules d'huile, il y a des liaisons faibles de type van der Waals. Oups, van der Waals. Et entre les molécules d'eau, c'est des liaisons fortes, plus fortes en tout cas, c'est des liaisons faibles mais plus fortes, de type liaisons hydrogène qui sont plus fortes. Ok, mais entre l'eau et l'huile, il y a des liaisons de van der Waals. Forcément, puisque les liaisons de van der Waals existent entre toutes les molécules. Donc pourquoi est-ce que l'huile reste entre elles, alors que pour une molécule d'huile, d'interagir avec une molécule d'huile ou d'interagir pour une molécule d'eau, bah énergétiquement, c'est la même chose. Les molécules d'huile, elles interagissent de la même façon entre une molécule d'huile et une molécule d'eau. Pourquoi est-ce qu'elles restent ensemble alors qu'il existe des interactions entre huile et eau qui sont aussi fortes qu'entre huile et huile? Mais ça, savoir avec, pour bien comprendre, il faut imaginer une soirée entre amis. Si vous avez une soirée entre amis, mais des amis qui se connaissent, parce que par exemple, ils sont colocs, ou ils sont amis d'enfance, ils se connaissent super bien, donc ils ont des liaisons, enfin, des interactions fortes entre eux, et vous avez des amis, là, ben en fait, ils se sont juste vus, ils se connaissent parce qu'ils sont likés ils sont amis sur Facebook, mais ils ne se sont jamais rencontrés en vrai. Maintenant, vous faites une soirée et vous les mettez tous, hop, dans la soirée. Ben, ce qui va se passer, c'est que les colocs, comme ils se connaissent entre eux, ben, ils vont rester entre eux. Alors oui, ils pourraient interagir avec les gens, enfin, et les gens de Facebook, ils vont rester entre eux parce que ben, eux aussi, enfin, pas parce qu'ils se connaissent entre eux, parce qu'eux, ils connaissent autant. Les amis de Facebook, ils se connaissent autant entre eux qu'avec les autres, parce qu'ils sont tous potes Facebook. Mais le problème, c'est que bah, c'est pareil. Quand tu as des gens qui sont entre eux, qui se connaissent très fort, bah, c'est difficile d'aller créer une interaction. Et bah, là, c'est la même chose. L'eau, c'est les colocs, et l'huile, c'est les potes Facebook. Alors, certes, l'huile, elle est potes Facebook avec l'eau, mais ça ne suffit pas pour faire une soirée où il n'y a pas de groupe. Il va y avoir des groupes dans cette soirée, et du coup, dans la soirée du Bécher, bah, l'huile, elle est en haut.